Quand Rachel le grimpera, Pani n'est pas contente, elle le dit. Mercredi 23 août, en story Instagram, elle a répondu à un internaute qui lui a reproché d'avoir utilisé son fils aîné, Gianni, pour une vidéo publicitaire. Ces derniers mois ont été compliqués pour Rachel Le Grain Trapani. En février dernier, elle a une nouvelle fois été victime d'un cambriolage avec son petit ami, Valentin Léonard. Puis le 1er août dernier, elle perdait une personne qui a beaucoup compté dans sa vie, Geneviève de Fontenay. La dame au chapeau est décédée à l'âge de 90 ans. Pour lui rendre hommage, Rachel Le Grain Trapani a posté sur Instagram une photo d'elle aux côtés de l'ancienne directrice générale de Miss France, accompagnée de la légende suivante, triste nouvelle. Tous les merveilleux souvenirs refont surface. Merci pour tout, à tout jamais dans mon cœur. Sincères condoléances à Xavier, son épouse et ses petites filles. Rachel Le Grain Trapani accusée de se servir de son fils pour de la publicité, elle réplique mercredi 23 août, en story Instagram, Rachel Le Grain Trapani a poussé un coup de gueule après avoir reçu de la part d'un internaute le message suivant, sympa d'utiliser son enfant sur une vidéo publicitaire. La recherche de l'argent justifie tout. Une accusation qui n'est pas restée sans réponse, Michael, Gianni est considéré comme mannequin et il est rémunéré, cet argent est bloqué sur un compte et il sera bien content de l'avoir à sa majorité. Avant chaque contrat, je lui demande son avis bien évidemment, ainsi qu'à son papa. Donc merci de vous occuper de vos affaires. Bien cordialement. En légende de sa capture d'écran, elle a ajouté, je pose ça là pour mettre les choses au point. Et surtout, ils le prennent vraiment comme un jeu sinon jamais je leur ferai faire quelque chose qu'ils ne veulent pas. Rachel Le Grain Trapani en couple et maman comblée de deux enfants. Rachel Le Grain Trapani est l'heureuse maman de deux enfants qu'elle a éhoussé avec deux hommes différents. Le premier, Gianni, né le 23 décembre 2013, est le fruit de son ancienne relation avec le footballeur français Aurélien Capou. Le deuxième, Andrea, est né le 7 juillet 2020 de son amour avec son actuel compagnon, l'ancien candidat de télé-réalité Valentin Léonard. Le couple est ensemble depuis 4 ans. Le 2 août dernier, ils ont fêté l'anniversaire de leur relation. En légende d'une photo où elle pose avec son chéri, l'ancienne Miss France a écrit, 4 years. 2 août 2019. Pour voir la photo célébrant les 4 ans d'amour de Rachel Le Grain Trapani et Valentin Léonard, cliquez ici.